Aujourd'hui, on clique sur un documentaire, ça s'appelle Le Masque, ça vient de sortir sur Netflix. C'est un peu la suite des Rois de l'Arnaque, ça raconte l'histoire d'une incroyable arnaque de près de 100 millions d'euros. On vous explique tout ça et on en parle juste après. Gilbert, c'était un numéro 1. Surnommé le seigneur de l'escroquerie, Gilbert Chicly est presque devenu un mythe pour toute une génération d'arnaqueurs et même une source d'inspiration pour les scénaristes de films. J'ai rien volé. J'appelle, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. J'ai quand même pas pu ouvrir toutes ces boîtes ultra sécurisées comme des conserves juste avec mon téléphone. Gilbert Chicly est un enfant de Belleville avec ses quatre frères et sœurs. À l'époque, nous vivions tous dans une petite pièce. Financièrement, on n'avait rien. Et je ne pouvais pas l'accepter. Revanchard sur la vie, obsédé par l'argent, il a commencé ses combines très tôt. J'ai été incarcéré à l'âge de 13 ans pour avoir vendu des voitures qui n'étaient pas les miennes, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai été le plus jeune détenu de France. Puis Gilbert Chicly s'est fait connaître avec son arnaque au président. Une technique bien rodée, demander de l'argent aux salariés de grandes entreprises en se faisant passer pour leur PDG. Il fallait que j'en parle à personne, il fallait surtout pas que j'en parle à quelqu'un du Crédit Lyonnais qui pourrait être impliqué. Enfin, si vous voulez, il vous fait une espèce de il resserre les taux. Mais son plus beau coup, se faire passer pour Jean-Yves Le Drian avec un masque du visage de l'ancien ministre. Une incroyable arnaque qui a permis d'extorquer plus de 80 millions d'euros à des hommes d'affaires ou des personnalités en quelques années. Du jamais vu. Arrêté en 2017 après avoir extorqué près de 100 millions d'euros sur l'ensemble de sa carrière, le roi de la déballe a écopé de 11 ans de prison et de 2 millions d'euros d'amende. Ou vous avez un don ou vous l'avez pas. C'est où ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, considérons que j'ai un don. Ça s'appelle Le Masque, ça vient de sortir sur Netflix et on clique dessus. Bonsoir Jérôme Pierrat. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste en crime organisé et en grand banditisme. Vous êtes l'un des auteurs de ce documentaire. Ah bonsoir Stéphane Sebag, vous êtes avocat et vous avez défendu Gilbert Chicly. Qui c'est Gilbert Chicly? Maître Sebag. Gilbert Chicly, c'est un garçon qui a été considéré comme le concepteur de cette arnaque au président dont on parle dans ce documentaire. Il s'agissait de se faire passer pour un président, ou plutôt le ministre de l'Intérieur, pardonnez-moi, de la Défense. Dites-le, oui. Et que... On rappelle, vous n'êtes pas Cyril Hanouna. Je ne crois pas. Très bien. Je vous remercie d'avoir noté la différence. Il y a une ressemblance. Non, oui, l'arnaque au président, c'est se faire passer pour le président d'une société, appeler le service comptable en disant « Bonjour Jacques ou Mireille, c'est votre PDG, il faudra envoyer X millions d'euros sur un compte dont je vais vous donner en gros le RIB ». Ça, c'est en résumé. Et voilà, et en gros, vous vous faites délester comme ça de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, Gilbert Chicly aurait inventé cette arnaque et après, il l'a, comme on le montre dans le documentaire, sophistiqué en y ajoutant un déguisement, l'image, et là, en se faisant passer cette fois pour le ministre Le Drian, le ministre de la Défense à l'époque. Ce qui est dingue, c'est qu'on voit le début de ces arnaques, et en fait, c'est quelqu'un qui se sert de sa voix, qui se sert de son charisme pour persuader les gens d'abord au téléphone, et qui détruit des vies tout de suite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui appelle, qui est capable de monter des salades incroyables, et j'aimerais qu'on regarde un extrait où quelqu'un raconte que sa vie a été détruite. À la télé. Se veut Robin des Bois. Et pour moi, il a écrasé des gens. C'est un coup massif qui va m'empêcher de tenir un crayon pendant plus de 2 ans. Mon employeur me licencie, je passe au chômage. Je suis suivi par un psy. Et j'étais vraiment au fond du trou, quoi. C'est un mec qui a aucune morale, qui détruit des vies. On voit l'impact que ça a, mais comment est-ce qu'il arrive à persuader les gens? Comment ça, il a eu son don? Bon, le don, il l'a visiblement depuis très longtemps. Il a mis au point ce qu'on appelle, enfin, en langage d'escroc, la déballe. C'est-à-dire la déballe, c'est l'espèce de bagou que vous sortez à votre future victime. Et donc, il a un don, effectivement, de manipulation psychologique. Enfin, lui, il s'en défend, hein, mais enfin, il vous dit quand même qu'il a un don. Pourquoi? Parce que c'est le distinguo entre... Il se prend pas pour un escroc. Il dit, moi, j'ai volé personne, j'ai juste réussi à convaincre des gens d'envoyer de l'argent. D'autres gens l'ont. Lui, ce qui fait la différence, selon moi, après avoir vu le documentaire, c'est l'audace d'aller aussi loin. La plupart des gens, on se réfrène à bout d'un moment. Il le dit, c'est ce qu'il dit. Ce qui fait la différence, c'est le culot, en gros. C'est d'oser, celui qui osera aller le plus loin. Puis il le fait qu'un certain aplomb, une certaine assurance, enfin, etc. Donc, effectivement, il a...
Même ses frères, enfin sa famille, qui le connaît évidemment depuis tout petit, disent qu'il est né avec. Et il a cette chatche pour arriver à vous manger le cerveau. Il a une audace et également un ego, mais c'est un ego de star en fait. Ouais. Parce qu'à un moment, il va se cacher en Israël pour ne pas être poursuivi en France. Vous m'arrêtez. C'est un robot. Ne vous inquiétez pas. Il a cru on va parler des robots tout à l'heure, il y a un petit robot dans son délire. C'est ta conscience. Il va se cacher en Israël et là-bas, il donne des interviews à visage découvert. Ouais. Regardez. Malheureusement, ces victimes qui ont souffert énormément, bon, ben oui, je suis navré, je suis désolé et je regrette profondément pour ces victimes. Pendant l'interview, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est malin? Qu'est-ce qu'il est malin? Parce qu'il a tout de suite senti qui j'étais, en fait. Bon, c'était un jeu, c'était marrant. Bon, après, je me suis aperçu que non. Et puis, à un moment, il nous dit, tiens, je vais vous chanter une petite chanson, tiens. Tiens, tenez, bougez pas, je vais vous chanter une chanson. Je n'avais pas 20 ans, je ne pensais qu'à rire, je vivais au présent, sans souci d'avenir. Et il se met à chanter Aznavour. Il nous dit, la bohème, Paris, Montmartre, la bohème. Et il chante avec une belle voix, parce qu'il a une très belle voix un peu éraillée. Sans souci d'avenir. Alors ça, c'est moi. Tu vois, c'est moi qui l'ai écrit. Tu vois, je montrais qu'on n'est pas de... Et voilà. On est face à une star. On est face... C'est pas quelqu'un qui... On a l'impression que son moteur, c'est pas juste l'arnaque, c'est autre chose. Bah, c'est pas, en tout cas, pas juste l'argent, si c'est ça que tu voulais dire. Oui, il a envie de... Non, quand on discute, il a envie de gagner, surtout. Enfin, il a envie de séduire, il a envie de charmer, il a envie de gagner. Il fait même un film. Évidemment, ça permet d'avoir... Mais d'ailleurs, même dans le doc, il dit que l'argent, finalement, il sait qu'il en aura de toute façon toute sa vie. Ouais. Et que tout ce qu'il fait, là, c'est un jeu et qu'il adore faire ça. Pardon, Laurie, j'ai une question pour l'avocat. Ça doit être extrêmement difficile de défendre un client pareil dont on sait, dont tout le monde sait qu'il ment. Tout le temps. Bah, la vraie difficulté, c'est celle-là, parce qu'il vient comme une figure de légende et il est perçu comme ça par les juridictions, l'opinion publique, etc. Sauf qu'on parle de ces gens qui sont détruits, on parle de cette condamnation qui est extrêmement lourde tout de même. Je rappelle sa condamnation. Le 11 mars 2020, Gilbert Chicly est condamné à 11 ans de prison à payer 44 millions et 10,6 millions d'euros de dommages et intérêts pour les principales victimes. Le 9 septembre suivant, Chicly est condamné en appel à 10 ans de prison avec une peine de sûreté des deux tiers. La cour d'appel a aussi confirmé le montant des dommages et intérêts de 44 millions et 10,6 millions d'euros pour les principales victimes, y ajoutant 15 000 euros au titre des frais de justice. C'est quoi votre axe de défense? Alors, première chose, je pense que c'est une peine de nature criminelle, et quand vous parliez tout à l'heure de ce don qu'il avait, le procureur de la République a considéré que sa voix était une arme. Et il a été condamné de cette façon, comme s'il avait braqué avec une arme les gens qui ont été l'objet de cette escroquerie. Est-ce que c'est pas plutôt la menace ? C'est pas forcément de la menace, il s'agit d'un mélange de séduction et de charisme, il s'agit également... C'est de l'intimidation. Il n'est pas d'accord. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'il a utilisé un moyen qui est le sien, qui est certes un moyen dématérialisé, pour arriver à ses fins. Alors qu'on le fasse avec une arme ou qu'on le fasse avec sa voix, in fine, c'est pour faire un acte illégal. Alors, la seule différence, c'est que pour un peu connaître la criminalité organisée, il y a quand même une différence entre une voix et une arme. Et l'effet n'est pas forcément le même. Alors, bien sûr, le traumatisme, il y a une échelle. Bien sûr qu'il a, il a manipulé des gens. Bien sûr, en tout cas, lui ou d'autres personnes qui se sont inspirées de lui, parce que c'est, à mon avis, ça qu'il faut prendre en compte. Il a été considéré comme le concepteur. On ne sait toujours pas quels sont les faits qu'ils sont reprochés à lui et quels sont les faits qui sont reprochés aux autres. Parce qu'il y a quelque chose de très grave dans le film, c'est quand même, il prend l'identité de quelqu'un qui est au sommet de l'État, comme Jean-Yves Le Drian, pour voler de l'argent aux gens. Donc ça fait du mal à Jean-Yves Le Drian, ça fait du mal à la France, ça fait du mal à la politique française, et ça fait du mal aux personnes qui ont été arnaquées. Et il y a quelque chose, moi, qui me manque dans le film, c'est ce fameux masque. Comment est-ce qu'il l'a fait? Tu veux l'adresse?
Ouais. Non. 12 rue des Cascades, tu sonnes à droite. Je connais un mec, non. Il a un masque de Cyril Hanouna. Il est super bien fait. Ça, on peut le faire plusieurs fois. J'arrête, pardon. Désolé, désolé, maître. Mais non, mais ils l'ont commandé, parce que lui, s'en défend, lui se défend d'être responsable de cette arnaque. Ils l'ont, ceux qui l'ont récupéré l'ont commandé visiblement sur Internet, oui, où vous envoyez le modèle, la photo du... Parce qu'il y a une scène dans le film où on voit que son téléphone, à un moment, ils ont interpellé plusieurs de ses téléphones, c'est ça. Dont ses conversations sur WhatsApp, et il y avait plusieurs autres projets. Est-ce que vous pouvez les révéler ? Oui, bah, il y a notamment la figure du prince Albert, il y a Emmanuel Macron, il y a surtout le prince Albert, parce que le prince Albert, ils ont reçu le masque, ils l'ont essayé, on entend son complice d'ailleurs, c'est la vraie écoute téléphonique qu'on a dans le doc, où il lui dit, bon, on a reçu le masque, tu crois qu'il est bien, il faut l'essayer, je t'assure qu'il est vrai, on voit qu'il ne ressemble pas super bien au prince Albert, là c'est le Drian, mais le prince Albert, il est moyennement bien fait. Dans le film, on l'entend au téléphone, et je me suis posé une question en regardant le film, c'est que s'il a accès au téléphone, qui est son arme en fait, est-ce qu'il peut encore faire des arnaques à distance ? Ça, on n'est pas là pour y répondre. Je pense qu'il est dans le repentir, moi, aujourd'hui. Non, mais je veux dire, il pioche sa peine, on ne va pas... C'est pas ce que dit la journaliste du doc. Hein. Elle dit exactement ce qu'elle veut. Ça n'engage qu'elle, mais... Après... Voilà. Gilbert, lui, pour l'instant, est en prison pour de longues années. Il est en prison pour de longues années. Pour l'instant, on ne lui reproche pas d'autres arnaques. Vous, maître, en tant qu'avocat, est-ce que vous croyez son repentir ? Alors, moi, je crois au repentir de tous, évidemment. Je crois surtout aux actes. Pour l'instant, on lui a reproché un certain nombre de faits pour lesquels il a été condamné. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on ne lui reproche plus d'autres faits. Donc, je ne peux pas parler d'autre chose que ce que je sais, à savoir ce qu'on lui reproche. Et pour l'instant, on n'a rien à reprocher à Gilbert Chicli, qui passe une détention, d'ailleurs, assez difficile. J'ai une question à poser au hacker qui est à côté de vous. Est-ce que ça, c'est l'ancêtre du deepfake ? Alors, c'est de manière artisanale, si on peut dire, mais effectivement, les deepfakes vont être la version évoluée un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer dans le futur des vidéos qui vont être extrêmement réalistes, qui vont devoir être entraînées. Aujourd'hui, on n'y est pas encore tout à fait, hein, en termes de niveau technologique, mais où on aura le patron d'une grande société, un homme politique, où il y a beaucoup d'images qui existent déjà sur Internet, et donc on peut faire des deepfakes facilement, qui vont demander de l'argent, qui vont parler de telle ou telle chose. Et effectivement, ça, potentiellement, l'usurpation d'identité est quelque chose qui va arriver. Et on voit typiquement, il y a un compte TikTok de mémoire sur Brad Pitt, où il y a plein de deepfakes de Brad Pitt, plus qu'on le voit partout, etc. Donc c'est des menaces qui vont arriver. C'est la version, entre guillemets, artisanale. Demain, ça fait partie de toutes les menaces qui vont potentiellement exister. Une question qui a été posée par Mustapha El Atrassi. Merci beaucoup. Je voulais juste citer le nom d'Olivier Bouchard, qui a co-signé le film quand même. Évidemment, évidemment. Merci. Bravo pour ce film. En tout cas, on clique dessus. Ça s'appelle Le Masque. Merci Maître Sebag. Merci Jérôme Pierrat. Merci.